Cette tour, qui s'enfonce dans 30 mètres d'eau, c'est l'aboutissement d'une gigantesque entreprise de 10 années qui a nécessité un investissement de plus de 35 milliards d'anciens francs. Ces 180 tonnes d'acier reposeront sur le fond marin en un point bien déterminé. Conçu pour résister à la violence des vents, aux coups de boutoir des vagues, à la pression des courants, ses pieds soutiendront une plateforme à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette île de métal, ce sera le centre collecteur de pétrole. C'est vers ce centre que sera canalisé le pétrole qui, dans 4 mois, doit jaillir des puits du nouveau gisement de Umm Shaif. Quatre mois pour achever ce qui débuta il y a 10 ans dans les sables d'Arabie. À cette époque, un homme faisait régulièrement le voyage d'Abu Dhabi, une petite principauté désertique sur les côtes de la péninsule arabique. Il venait solliciter du cheikh un contrat de prospection et, si les résultats étaient prometteurs, la concession du nouveau gisement. Le temps était probablement un allié commun, car les discussions durèrent 2 ans. Discussions menées des deux côtés, avec courtoisie, avec astuce aussi. Propositions et contre-propositions se succédèrent jusqu'au moment où le cheikh Chakbout bin Sultan lui-même donna son accord, décidant ainsi du destin futur de son peuple. Ses conditions étaient les suivantes. La prospection devait commencer immédiatement et les forages dans 5 ans si un gisement viable était découvert. L'engagement était particulièrement difficile à tenir. Une société qui prit le nom d'ADMA pour 2 tiers anglaise, pour 1 tiers française, fut fondée pour exécuter ce programme avec les atouts financiers et techniques nécessaires pour réduire au maximum les risques. Car même si le risque de ne pas trouver de pétrole est calculé, il y a toujours risque. La concession couvrait 50 000 km² d'étendue marine devant les côtes d'Abu Dhabi. Les plongeurs se mirent au travail. Leurs découvertes et les observations sismiques et gravimétriques permirent de déterminer les points les plus favorables à des forages d'exploration, forages qui apporteraient la preuve de la présence ou de l'absence de gisements. C'est à 60 milles de la côte que ces points se trouvèrent fixés. Trop loin pour songer à établir à Abu Dhabi une base et un quartier général. Aussi choisit-on pour cet office, avec l'accord du cheikh, une île qui ne se trouvait qu'à 18 milles des points de forage. Une île basse et désertique. L'île de Das. 3 années déjà s'étaient écoulées depuis la signature des accords. Tout devait être mis en œuvre pour transformer rapidement cette île en un véritable complexe industriel. Dans les 3 années qui suivraient, il faudrait pouvoir y disposer de toutes les facilités techniques et assurer à ses nouveaux habitants un confort décent. Thank you.
Cela comportait, bien entendu, une piste d'atterrissage et un port. Surtout un port, pour y abriter la plateforme de forage, déjà en construction en Europe. Un instrument de travail de plus parmi tous ceux qui devaient se trouver en place au moment voulu. Mais de taille. 5000 tonnes, près de 3 milliards d'anciens francs. Sans compter les 11 000 kilomètres qui séparent le chantier allemand de la zone de forage. Et on a beau prévoir tous les risques, organiser jusqu'au plus petit détail, la nature inflige parfois à l'homme et à ses desseins de dures leçons. Dans le golfe de Gascogne, le mauvais temps cause la rupture des câbles. Après quelques heures d'inquiétude, le remorqueur hollandais reprend le contrôle de la plateforme. Après Gibraltar, après Aden, au bout de 100 jours, ce fut Das et son nouveau port. Cinq ans depuis la poignée de main du chèque. 7 milliards d'anciens francs et aucune certitude encore quant à l'existence d'un gisement. Mais tout l'équipement est rassemblé, prêt à servir. Encore quelques jours, et la plateforme se trouvera au-dessus du premier point de forage choisi. À Abu Dhabi, peu de changements dans la vie des 2000 habitants de la ville. Pas davantage dans celle des 15 000 nomades du désert qui continuent à mener une rude existence d'oasis en oasis à la recherche de l'eau. L'endroit privilégié du pays est l'oasis de Bouraïmi, à 200 km de la ville. Une eau fraîche et claire y jaillit de sources souterraines. Des plantes sont des luxes modestes que de nouvelles ressources pourraient apporter à tout le pays. Même à la ville, l'eau de puits saumâtre est trop précieuse pour servir à la toilette. L'eau de mer et le sable suffisent. Il y a bien une usine de distillation d'eau, mais c'est une entreprise privée et l'eau y coûte cher. Gratuite à volonté, c'est le rêve de chacun. C'est peut-être la réalité de demain.
Dans son palais, le cheikh était tenu au courant des travaux par le représentant de la compagnie pétrolière. Les craintes et les inquiétudes touchant la surproduction, les prix, l'approvisionnement des stocks, tous les mille et un problèmes de l'industrie pétrolière, c'étaient les problèmes de la compagnie, pas ceux du cheikh. Seuls les résultats lui importaient, car d'eux dépendait l'avenir de son peuple. Grâce aux droits de prospection, déjà la jeunesse pouvait entrevoir une nouvelle existence fondée sur le travail et les études. Par radio, hélicoptère et bateau, Das restait en contact avec la plateforme de forage, isolée en pleine mer. Suspendu à 12 mètres au-dessus de l'eau, c'était 6 jours sur 7, un véritable camp de forage pour 50 hommes. Le premier sondage commença à l'endroit précis qui avait été choisi. Au bout de 72 jours, à 1800 mètres de profondeur, on trouva du pétrole. Encourageant, mais pas concluant. Il fallut encore 2 années de sondage et de forage pour que la compagnie annonçât que les résultats de 3 puits pouvaient laisser espérer que le pétrole s'y trouvait en quantité commerciale et qu'il fallait passer à la phase suivante, celle de la pleine exploitation. Derrière les phrases prudentes, l'assurance d'un nouveau gisement. Le pari est gagné. L'addition se monte à 11 milliards d'anciens francs. Les premiers contacts avec le cheikh remontent à 7 ans. Désormais, l'objectif numéro 1 est le développement des forages. Un nouveau champ doit être délimité et les puits forés dans un ordre prédéterminé. Chaque tête doit être coiffée par un système de vannes permettant à tout instant de contenir ou de lâcher la pression du pétrole. Dans le cas d'un gisement sous-marin, pour protéger ces vannes, on élève des tours qui comportent une aire d'atterrissage pour hélicoptères afin d'en faciliter l'accès. Chaque puits doit être relié par un pipeline sous-marin au centre collecteur. Et celui-ci relié à son tour par un autre pipeline au réservoir de stockage. Le débit total du champ est contrôlé électroniquement depuis une salle de contrôle installée sur l'île. Du quartier général au chantier, Das est maintenant axé, 6 ans après les premiers débarquements de matériel, sur la dernière phase de l'opération, l'assemblage et la mise en place des pipelines. 40 km en éléments de 12 mètres de long sur 45 cm de diamètre. Chaque élément doit être enduit, enveloppé.
finalement couler dans un bloc de ciment de forme trapézoïdale, tout cela afin que son propre poids confère aux pipelines la solidité et l'immobilité indispensables. Et c'est une extraordinaire usine flottante que constitue le ponton destiné à la pose des tubes. Une usine, mais aussi le domicile de 100 techniciens. Sa conception est révélatrice de l'ingéniosité dont témoigne l'équipement utilisé pour la recherche et l'exploitation d'un champ sous-marin. Et c'est suivant cette pente légère que le pipeline rejoint le fond de la mer, guidé par un berceau incliné. La pose d'un pipeline sous-marin est toujours à la merci du temps ou même d'une simple houle. Dans ce cas, le travail est arrêté. Dans le golfe, les stations de météo réduisent les risques de surprise, mais la prévision du temps n'est pas une science exacte et la nature a parfois son mot à dire à l'improviste. Force est d'en tenir compte. Une fois le pipeline posé, une dernière vérification. Bilan, 35 milliards d'anciens francs. 10 années de discussion, d'élaboration, de construction, de transpiration. Des centaines d'hommes de différents pays avec une seule idée en tête, un seul objectif. Et cet objectif sera atteint lorsque ce tanker s'arrêtera devant le terminal et prendra un chargement de pétrole d'Umshaif. Terminal ne relie pas seulement le tanker au réservoir de stockage, au centre collecteur, aux têtes des puits. Il relie aussi Abu Dhabi, le cheikh Chakbout et son peuple, au reste du monde. Le risque était bien calculé.